Quark Carcus sait que vous êtes là. Je pense que pour l'instant, il ressent votre présence, mais rien de plus. Lui et le colonel Darak ont renforcé leur défense devant le temple avec leur nouvelle recrue. Vous savez ce qu'il faut faire. Jusqu'au bout, mais j'espère que la route sera longue. Plus avancée que nous ne l'avions prévu. Thank you.
Quand vous serez au site principal de recrutement, ouvrez une ligne sur la console de commande. Comme ça, Theron pourra la pirater à distance. Excellent travail. Theron est en train de pirater les plans structurels du complexe. Ça se présente pas très bien. Notre seule option, c'est de traverser le centre de recrutement, droit devant. Les cyborgs qui vous attendent sont en mode sommeil. Ils s'activeront dès que vous mettrez les pieds dans la salle. Préparez-vous à combattre. Saleté de capteur. Lana, je pourrais avoir un état du périmètre. Je suis incapable de dire si on a de la compagnie. Tout de suite. Ok, le temps presse. On doit absolument empêcher les impériaux de récupérer la technologie qui se trouve dans le centre de recrutement. Surchargez la console. Ça grillera tout à l'intérieur. Et les cyborgs seront hors service avant d'avoir eu le temps de se réveiller. C'est mieux de prendre nos précautions. Je programme la surcharge de la console. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? On a trouvé un raccourci. Vous avez du nouveau? Non, rien. Les capteurs de Jack Arrow ont vraiment besoin d'un réglage. On doit éviter les fausses alertes. Je confirme. Continuez, ne traînez pas. On reste en contact. Ça s'active sur le toit du temple. C'est peut-être Darok et Arcus qui veulent s'enfuir. On dirait qu'ils ont une navette. On peut l'abattre en dernier recours. Mais vous feriez mieux de les capturer vivants pour les interroger. Vite! On s'attaque! Attendez-nous! Cette fois, utilisez votre crâne à vous pour les frapper. Allons-y. Vos plans sont tombés à l'eau. Votre conspiration n'aboutira nulle part. Dites donc, c'est qu'on a de la fierté mal placée. Ce projet nous aurait fait gagner un temps précieux. C'est fâcheux de devoir le perdre, mais ça ne nous arrêtera pas. C'est vrai que vous avez causé pas mal de dégâts, mais notre projet n'a pas totalement échoué. Après tout, vous avez la gentillesse de venir vous faire massacrer. Vous avez infiltré les rangs de la République et de l'Empire. Vous avez levé une armée de fanatiques. Pourquoi? Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous avons des projets. Vous n'en faites pas partie. C'est tout ce qui compte pour l'instant. Si vous et votre animal de compagnie vouliez un combat digne de ce nom, vous allez être servi. Colonel. Allez, qu'on en finisse.
mettre un terme à tout ça. Ici et maintenant. J'ai hâte. Ils sont à vous, Darok. Douce vengeance. Arcus! Ils sont à vous, Darok! Vous allez devoir faire mieux que ça! Vous n'avez rien changé! Vous n'avez aucune chance! Nous Le sommes plan. Bien supérieurs à vous! En sortir comme ça. Non, c'est impossible. Darok et Arcus se sont battus jusqu'à leur dernier souffle. On ne pourra plus en tirer la moindre information. Bien sûr. Bon sang. Je partage l'avis de mon maître. Maintenant qu'ils sont refroidis, nous n'avons plus rien à craindre d'eux. Je ressens quelque chose. On est en danger. Les capteurs s'affolent. Plusieurs bâtiments de ligne qui débarquent de l'hyperespace. Identité inconnue. Il y en a un qui s'approche. Arcus et Darok étaient de précieux alliés de ma cause. Mais leur disparition ne retardera pas l'inéluctable. Cette voix... C'est lui. Revan. Mon armée infinie aurait pu faire tant de merveilles. Mais mon arsenal est loin d'être épuisé. Je vous ai délivré des impériaux. Et vous osez retourner votre veste et trahir la République ? La République est trop faible et trop ignorante pour faire le nécessaire. Si je veux atteindre mon but, je dois éradiquer toutes les sources de nuisance. Mes partisans sont légion. Nos effectifs grandissent d'heure en heure à mesure que les citoyens ouvrent les yeux sur la galaxie. L'Empereur a été incapable de me briser. Même la mort ne pouvait pas m'arrêter. Je vais finir ce que j'ai commencé et vous ne serez plus là pour m'interrompre. Ils sont en train de charger leurs armes. Fichez le camp, vite! On ne peut pas vous joindre dans le vaisseau de Jacaro. Prenez la navette. I'm